Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Marvel Spider-Man, l'exclu PS4. On est dans les fourrés, hein, on est Spider caché. Et on va rejoindre Fist qui apparemment se fait. Ah oui! Ah oui! Il y a des flammes qui brûlent. Why not? Je sais pas que ça existait. Point, point, point. Point, point, point. Cours! Non, lol! LOL! Ah d'accord, il y avait celle-là. Non, je passe quand même, bas les couilles. Très bien. Peter, les sapeurs-pompiers sont en route et j'ai trouvé une issue de secours pour accéder. MJ, reste où tu es. J'ai déjà assez de monde à sauver comme ça. Peter, fais pas l'idiot, attends les secours. Mais non, je vais pas attendre les secours. T'es folle. Mais ah, c'était pas prévu ça. J'imagine que ça va être des QTE. Oh putain. Je vous tiens. Tenez bon. Mais, vous allez bien? Approchez-vous de la fenêtre. C'est trop loin. Tenez bon. MJ, qu'est-ce que tu fous là? Ok, accrochez-vous. Wouh. Techniquement, je vais en chier quand tu vas tout faire tomber là. Allez, espèce de sale. Y a pas de système de respiration dans l'armure, hein. Je vous tiens. Oh mon dieu. Allez-y. Allez. Miles, dépêche-toi. Miles, allez. Aïe! Aïe! Non! Réveille-toi! Ah, ça me fait penser à la petite main qu'il y avait dans The Amazing Spider-Man 2. J'ai essayé d'attraper Gwen. Très beau moment, hein. Très très beau moment, parce qu'en fait il est identique à la BD. On te tient. Il est identique au comics. Très très beau moment. Ça m'a fait frissonner la première fois que je l'ai vu au ciné. De voir une scène de... Vraiment la vraie scène mise à l'écran. On rappellerait toujours. J'avais le double ralenti. Le ralenti perso et le ralenti du film. Mais elle va bien. Tout le monde est sauvé. MJ, si vous aviez pas été là, toi et Miles, je serais... Mort, oui. Tout comme moi les 36 000 fois et demi où tu m'as sauvé la peau. Et demi. Je crois que t'as encore un peu d'avance. Oh, ça fait mal. Hey. Désolée pour le plan foireux, c'est juste... C'est... pas facile d'être celle qui se fait sauver tout le temps, tu vois. Des fois, je voudrais inverser les rôles. Je suis désolé, j'aurais dû te faire plus confiance. On est encore partenaire? Toujours. Hé, hey, je savais pas si vous vouliez de l'eau minérale ou de l'eau de source ou plate ou gazeuse. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une. De chaque. De chaque. Il est énorme. Je vous ai interrompu. Non, MJ, Miss Watson et moi discutions stratégie. Oh, il mérite de savoir. La ville est en danger. Elle a besoin de notre aide. Oui, de toute notre aide. Non? Ok, coach. Bon, c'est quoi le plan? Ok. Diviser pour mieux régner. Miss Watson, il nous faut un antisérum pour le souffle du diable. Oscorp cherche un traitement, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse le garder en sécurité contre Octavius Ellie. On doit trouver le remède et le protéger. Je vais chercher des pistes. Miles, tu seras mes yeux et mes oreilles au centre Fist. Au moindre pépin, appelle-moi. Il faut qu'on protège le refuge et tous ceux qui s'y trouvent. Ok, ça roule. Et vous, vous allez faire quoi? Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. J'aurais dû mettre le costume original du jeu. Hey, attendez, comment je vous appelle?
Je veux dire, vous avez un portable? Dans une poche ou enfin, je sais pas. Miss Watson va te donner mon numéro. Allez, bon courage. Alors comme ça... Son numéro, quoi? T'es sa copine? Ah, c'est tellement cool, eh. Ah. Allez, Sherlock. Montre-moi un peu ta collection de bouteilles, là. C'était nul. La fin était très très nulle. Tout était stylé, ça faisait presque petit conseil d'amis et tout ça, mais non. 5000! Ça me sert plus à rien, par contre. Ah, la vache, il en faut un paquet d'XP. Je dirais qu'il en faut 25 000 au total. Tiens donc. On vient de prendre cher. Ça vaudrait pas le coup de mettre ça. Ah, c'est l'ancienne, elle est toute sale. Une belle. Il m'en faut une très très belle. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Celle-là aussi. Celle-là, encore plus. Il m'en faut une belle. On va mettre la Sam Raimi. Ah là là. Bon, on a un peu repris le contrôle de la ville. Miles surveille le Fist. Ah, et dommage. Cherche le remède au souffle du diable. Je peux enfin me concentrer sur Otto et l'empêcher de mener son plan à exécution. C'est parti. Yuri, faut qu'on s'occupe des grosses pointures. Toujours aucun signe d'Octavius? Non. La police scientifique ne peut même pas s'occuper de Tiny Square. À part le stagiaire, tout le monde dans le service est malade. Peut-être une solution. Je vous fais signe si je trouve quelque chose. Il va se rendre au... Ah, il va se rendre au... à l'endroit où il bosse. Pour voir s'il n'y a pas un truc à faire là-bas. Récupérer 2-3... 2-3 produits. Ouh. Bien tenté. Jonah, j'ai pas le temps. Un nombre croissant d'auditeurs nous alerte sur les agents de sable qui, sous prétexte de nous protéger, se comportent de plus en plus comme des occupants hostiles. On prend un nouvel appel. Allez-y. Il faut... Qu'est-ce qu'on fait à Times Square? Ah, on regarde un écran noir, d'accord, ok, j'ai pas compris, il fallait me dire. Spider-Man, bonjour. Vous venez nous épauler? Oui. Facile. Je me suis dit que vous en auriez besoin. Et ça, c'est rien de le dire. Ce souffle du diable, j'ai jamais rien vu de pareil. La police scientifique a du fil à retordre. D'après les infos, c'est ici qu'Otto a diffusé le souffle du diable. Il a peut-être laissé des traces que je peux suivre. Ouh! Qu'est-ce que c'est? Des résidus sur ce panneau. Je peux peut-être l'isoler. Oh, c'est un mini-jeu! Séquence initiale riche en paires athées. C'est assez prometteur. Ok. Non. Non plus. Oui. Ok. J'en ai une. J'irais même que j'en ai deux. Et j'irais même que j'en ai trois. On est bon. C'était quoi? Du souffle du diable, du GR27. Le CPF a modifié de comme score. Ça, c'est clair. C'est le souffle du diable. On continue. On devrait pouvoir retrouver la voie de dispersion. Ouh. La piste part dans plusieurs directions. Je dois trouver la bonne. Ah la vache, je la perds si je... Les traces de vapeur mènent à ce bâtiment. Ok. La piste passe de ce bâtiment à l'autre. Comment c'est possible? La piste passe par cette ventilation. Qu'est-ce qu'Otto fichait ici? Il doit y avoir une porte ou une trappe d'accès pas loin. Voilà, j'en ai une. Oula, elle brille vachement la tenue. Non? Ah, elle brille. Elle brille trop. Ah, je
Ah, je vais devoir la changer. Eh ben, bonjour l'ambiance. Elle est ultra brillante. Ah, je suis désolé, je la change. Ça va pas avec l'émission nocturne. Pardon. Autant pour moi. Tant pis, je prends Spidey Noir. Ah non, ça me tente pas, Spidey Noir. Ah là 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 là. On va prendre Big Time. On doit pouvoir allumer la lumière. Allumer la lumière. Ok, trop bien. Que la lumière soit. Waouh. C'est ici qu'auto-planifiait ses opérations. La panique de l'évasion était la couverture idéale pour s'installer ici. Ok. Qui c'est ? Martin Lee. J'ai du mal à croire qu'il s'agisse de l'homme que j'ai rencontré. On dirait qu'Otto et Martin ont plus en commun. Merci pour le traitement, il m'apaise un peu, mais les crises gagnent en intensité. Les choses n'avaient pas été si graves depuis mon enfance. J'ai l'impression de ne presque plus me contrôler. Hier, pendant le discours d'Osborne, j'ai failli perdre connaissance. Le voir suffit à provoquer en moi des sentiments que je pensais enfouis depuis longtemps. J'ignore combien de temps je pourrais encore vivre dans son ombre. Fort. Très très fort. On peut pas en voir plus. On dirait qu'Otto a enregistré des messages pour ses sbires. Oh, Martin. Quand j'ai compris que c'était toi qui t'attaquais à Osborne ces dernières semaines, j'ai d'abord été consterné. Puis en voyant ce qui se passe... Otto agit par colère. L'interface neurale accentue le sentiment, mais sa frustration est profonde. Il est prêt à détruire la ville pour atteindre Norman. Ça va peut-être un petit peu loin, effectivement. On dirait qu'Otto a étudié les points faibles de la technologie de sable. Sable. Ok. C'est bon le Rhino. Un de mes deux Russes préférés. Otto a développé un agent corrosif pour libérer Rhino de sa tenue. Une certaine agence gouvernementale n'y est jamais arrivée. Otto a réussi en deux jours. Ok. Mac Gargan, alias le Scorpion. Scorpion, alias Jojo le Barjo. Rien à observer là-dedans à part le truc. Ok. Le bon vieux Vulture. Vulture. Vautour. Je l'ai volé dans les plumes un sacré paquet de fois. La source d'énergie des ailes de Vulture a causé un cancer de la moelle épinière. Otto travaille sur un traitement expérimental pour le sauver. D'accord, voilà comment il les a mis dans Electro, sa poche. Le plus grand des disjonctés. Le grand rêve d'Electro est de se transformer en énergie pure. Le Doc a réussi à modifier son harnais pour le rapprocher un peu plus de son but. Alors faut savoir que dans Spider-Man la revanche ou la vengeance d'Electro, qui est un jeu sur PlayStation, classique, il réussit à le faire. Otto a dû utiliser cette carte pour planifier son coup, mais elle est vierge. À moins que je rate quelque chose. Un truc à allumer quelque part. Ouais voilà, c'est ça. Ampoule UV. Il se passe rien. Sous de ma gueule, faut que j'allume le truc. Oh là 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 là. Il y a moyen d'allumer cette lampe. Ça aurait tellement dû fonctionner en vrai. Ultra vexé. Ah non, pardon, faut que j'enlève le. Voilà. Et voilà. Des informations cachées. Otto a chargé les vilains de détruire les biens d'Oscorp dans toute la ville. Icarus. Il veut anéantir l'Empire de Norman pièce par pièce. La dernière étape du plan semble être un assaut direct sur Oscorp. Scorpion doit chercher à contaminer le réservoir de la ville. Rhino vise les propriétés d'Oscorp sur la côte. Electro est chargé des centrales électriques d'Oscorp. Logique. Que fait Vulture à Times Square ? Je ferais mieux de rester sur mes gardes. C'est une histoire qui pue. Je suis tout bleu. C'est une histoire qui pue. Est-ce que... Oui, tout ça, j'ai déjà vu. Et c'est maintenant, qu'est-ce que je... Je fais, quoi. Non, je sors, je... Hein, dis-moi. Spidey, tu fais quoi? J'ai pas fini.
Apparemment, je n'ai pas fini. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Non, je l'ai vu, ça. Norman, j'ai l'impression qu'il est impossible de lui échapper. Il sourit et donne de grandes accolades devant les caméras. Mais en coulisses, il me tient à la gorge. Comment se fait-il que personne ne voit à quel point il est égoïste, dangereux et malfaisant? Je donnerais n'importe quoi pour qu'il voit Norman comme il le voit. Faut que je fasse attention à des caisses, à... Non, c'est pas une porte, ça, Marcus. Peut-être là-dessus, j'ai peut-être pas fini de faire ça. Ah oui, le projet Ika. Il ouais. Recherche le sérum du souffle du diable. Avec quelque chose appelé Icarus. C'est bon ? Non ? Ah. Une boîte à laquelle j'ai pas fait attention ? Icarus, c'est ça. Aha ! Bonjour, Spider-Man. Uh-oh. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis Otto Octavius. Y a pas d'Icarus, c'est ça ? Non. Martin n'a besoin d'aucune aide pour s'emparer du sérum. D'accord. Icarus était un leurre pour t'amener où nous le voulions. Où vous le vouliez ? Oh oh ! Oh, je suis dans la merde. Oh, c'est un ultra piège ! Oh ! Je te dépose ! D'accord. Ça fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Tu m'étonnes. Il a des plans de secours pour ses plans de secours. Ah. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Vive les transports ! Écoute, Lyon a un prêt d'antisérum. Il faut qu'on trouve le laboratoire secret du souffle du diable avant lui ! Je suis sur le coup. Je passe en revue tous les permis de construire de la ville. Si le labo est enregistré, je le trouverai. Génial ! Ok, à bientôt, MJ ! Oh d'accord, ça va être un multi-boss fight ! C'est comme quand t'as le multi-ball au pinball. Au flipper, comme on dit chez nous. Il s'en est tiré. Mais pas indemne. On passe au plan B. Je suis sur une plaque métallique. J'ai pas mon costume anti-électricité. Ok. D'accord, ça je peux pas faire. Raté. Ça se voit que t'as grandi en prison, non ? Complètement raté, Max. Comme d'habitude. J'ose pas prendre le risque. Non plus. Faut que je fasse quoi ? Encore raté. Ah, d'accord. Si tu pouvais me le montrer, par contre, ça serait cool. Hop là ! C'est toujours pas visé. Qu'est-ce que tu... Non, interdit ! Interdit ! V, lance-toi ! V, lance-toi ! C'est moi, Spider-Man ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Personne ne prend mes références. Ah bah moi j'ai compris. Je te jure que j'ai compris. On n'est pas dans une relation d'échange et de compromis ? Ah ben, c'était tellement à côté de la plaque. Oups. Déjà fini. Wouhou ! D'accord, faut que je lui renvoie un truc au niveau de ses ailes. Aïe. Hop là. Un coup de chance, oui, c'est... C'est ce qu'on me dit à chaque fois, mais... Je trouve pas, hein. Je trouve même que je m'en sors plutôt bien. C'est pas le bon pouvoir pour ce team fight, hein, j'ai l'impression. Hein. Enfin, pour ce fight, pardon. Ah là là. Bonjour. Ah bon. Tu sais quoi, je me suis pas senti trop lent quand je l'ai fait, hein, mais... Écoute. Je sais pas où t'es. T'imagines que je t'ai frappé ? T'es vachement haut, hein, c'est chiant. Hein. Ah, t'es tout en bas.
Raté. Ah, encore raté. Tu veux bien t'arrêter pendant que je te vise, s'il te plaît. Merci. Et c'est pas qu'il me saoule, mais... Tiens, bouffe. Moi aussi, je sais faire. Bouffe. Spider-Man. Oui, c'est moi. Je vais te briser. Ouais, fais gaffe, hein. Ah, pour une fois que quelqu'un comprend mes références, j'ai presque plus envie de me battre. Je vous le dis franchement, je préférais quand vous étiez en solo. Hop, les, on continue. Eh, vas-y, croquite-moi, ça me fait pas de soucis là, je suis. Bon, tant pis. Je t'aurai la prochaine fois. Hop là. Pas si vite. Moi je t'enchaîne s'il faut, bonhomme. Ah. Vas-y, je t'attends. Senti dans mes plombages. Raté. Ouais, prends la relève. Pas de problème, B. Tiens, bouffe. Elles ont quel goût, mes toiles. Oups, pardon, c'est déjà fini. C'est nul. Ah, il reprend déjà des forces. Ah, je suis hors de portée, t'es sérieux? Hop les, boum, kaboum. Bah alors. J'ai pas de blagues qui viennent. J'ai pas de blagues qui viennent. Ah. Eh bouffe. Eh bouffe. C'est fini? Non? Oui? Non? Et... Kiff. Ah, je l'ai raté. J'ai raté une QTE aussi importante et aussi facile, en plus elle était lente, mais habituellement ça va tellement plus vite que je me dis que... Ah, on en est où, quel moment? Ouais, d'accord. Ça rend bien avec Big Time en plus, hein. Pardon. Je me concentre, hop les... Allez, bouffe! Attention, j'arrive! Oh mince! Je crois que quelqu'un est dans mon dos! Hop et raté. Il n'a pas la moindre chance. Pas fini. Ouais, ça va faire. Et tu manges. Bon, je voudrais pas jouer les rabat-joie, mais je crois pas que vous ayez bien saisi la situation en fait. Raté. Je t'aurai la prochaine fois. Et tu bouffes toi par contre. Une petite minute. Ah, je comprends pas ce qui m'a frappé. Ah, il est sur un... Il m'a fait mal, là. Wouhou. Je crois que j'ai failli me prendre un coup de jus, mais... Mais c'est pas grave, je m'en sors plutôt bien. Encore debout. Au suivant. On l'a fait combien de fois, cette petite danse, Adrian? J'avoue. Oh, j'ai raté mon coup. Je vois pas. T'es là. Voyez. Hop, raté. Par contre, j'ai un truc à te montrer, regarde. C'est ça. Boum. Pas suffisant. Oh, mais merde alors. Donc, il va encore m'agresser. Hop, voilà. On serait douté, il aime tellement venir me taper au corps à corps. Ah, c'est bon. Bah alors. T'es vert de rage? Ça tombe à pic? Tu te sens déplumé? Qu'est-ce qui se passe? Electro a été mis à terre. Spider-Man, je présume. Si tu tenais vraiment à cette ville comme tu le prétends, tu m'aiderais à prouver qu'Osborn n'est qu'un vulgaire criminel. En tuant des gens innocents? J'aurais rétabli le courant.
Vous êtes malade. Vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Ok, bon bah c'est toujours pas fini, hein. Alors. Je déteste quand ils font équipe. T'as mal ? Souffler un peu. Ouais, dors un peu, t'as raison. Là t'as quand même une nuit d'enfer, hein, littéralement, hein, la vache. Sauver Tante May, sauver des dizaines de commissariats, enfin de flics et de commissariats. Tout ce que t'as fait, tous les crimes que t'as fait dans la même nuit aussi, les 8 millions de crimes que t'as pu accomplir dans la même nuit, enfin, empêcher. Oh non. T'as fait la grasse mat? Bon, il fait jour. On va mettre un costume qui claque. Il fait jour mais il pleut, alors est-ce qu'on pourrait mettre un costume un petit peu bleu peut-être? Retour à la terre, d'accord. Je vais comprendre la blague. Qu'est-ce que je mets comme costume? On l'a vu de jour celui-là, non, je crois pas. Hein. On va essayer de jour. Ouais, non, c'est trop gris. Ça fait trop gris. Presque trop triste. Allez, vendu. Faut que je prévienne Yuri. Ah, raté mon lancement. Yuri, plus de 4. Vulture et Electro sont KO. J'ai vu ça. J'ai aussi remarqué qu'un toit a explosé à Times Square. Est-ce qu'il y aurait un rapport? Rien ne vous échappe. C'était la base d'opération d'Octavius. Il se sert des autres pour démanteler Oscorp. Vulture et Electro visaient les centrales électriques. Scorpion va s'en prendre au traitement des eaux. Rhino, pas encore sûr, mais... Encore des... Ça se passe sur la côte. C'est déjà un bon début. J'imagine que vous allez vous occuper de Scorpion. Raté. Ouais. La ville est déjà bien atteinte. Et si on perd l'eau potable, elle risque de pas s'en remettre. Je vous ferai signe quand j'aurai du nouveau. Ok, on fait comme ça. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, le climax avec 1,5 million de boss. C'est à la mode en ce moment. À voir si ce sera aussi bien fait dans chacun des jeux auxquels je vais jouer. Je sais par exemple que, en ayant lu quelques reviews, et encore, quand je dis lu, c'est vraiment survolé, que Kingdom Hearts sort en dents de scie, donc vous pouvez voir normalement actuellement sur la chaîne. Moi ça va, mais toi et Tante May, vous êtes en plein milieu. On est débordé, mais les gens ont besoin d'aide. Et je préfère agir plutôt que d'attendre qu'on vienne tout régler à ma place. Tu vois le truc? Ouais, je comprends. Pense bien à te protéger. Gants et masques. Et repose-toi de temps en temps. Et c'est encore... Voilà le réservoir. Mais aucune trace de scorpion. Tout ça va être la fin. Ça de plus près. Hop là. On y est. Si j'étais un mercenaire déguisé en scorpion, où est-ce que je me cacherais? Il fallait bien une armure pour aller avec l'armure du scorpion. Aïe. Alors ça, c'est pas bon. Mais c'est Octavius qui paye, et il veut te voir souffrir, ce que je respecte. Le fait qu'on soit touché par le venin, c'est vraiment pas bon. Qu'est-ce qu'il vient de m'injecter? J'ai mis une armure pour éviter ça, merde! Oh, c'est pas bon. Oh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Non! Merde de poison? Impossible! C'est pas réel. Ça doit être le poison. Je peux pas prendre le risque. Il faut que je prenne de la hauteur et que j'analyse le produit qui m'a injecté. Et okay. Qu'est-ce que je me bouffe? Tranquille une minute. Je dois analyser la neurotoxine pour pouvoir créer un antidote. Qu'est-ce qui m'a mis? Ouh là là. Scorpion. Oh. Trois. T'as dit le premier semble assez simple. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Ok. Non. Oui. Oui. En celui-là, j'efface les extérieurs. Et on est bon. Qu'est-ce que c'est que ce caca que tu m'as mis? Alors. Mixture de vatoxine et... Neurotoxine hallucinogène. Mon cerveau va créer des cauchemars qui vont me sembler vrais. Je dois synthétiser l'antidote et vite. Il faut d'abord un stéroïde naturel
Un extrait des clips d'Alva devrait faire l'affaire. La serre de l'université est pas loin. J'espère que c'est la saison. Ok. D'accord, donc faut pas tomber dans l'acide, tout ça, tout ça. J'arrive à la serre. Il devrait y avoir de l'éclipta alba dans la serre. C'est trop facile. Voilà. C'est beaucoup trop facile. Où elle est passée? C'est réel ou c'est dans ma tête? C'est peut-être les deux. Doc? Oh là 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 là. Ce sont les hallucinations qui s'intensifient. Tu peux y arriver. Doc? Vous avez l'air... Comme avant que l'interface neurale n'affecte mon esprit. Mes obsessions étaient déjà là. Mais l'interface m'a permis de les accepter pleinement. Je vais réparer ça. Vous réparez. Il le faut. Ah, putain. Toujours à vouloir prendre les choses, même quand il n'y a plus d'espoir. Ton optimisme indéfectible. Voilà l'équipe calme. Ah, non. Non, le jeu t'a été très vilain. Oh, c'est quoi? Il y avait des mains. Des mains en noir. Oh non. J'aurais dû voir ce qui vous arrivait. Ouais, mais tout ça, c'est des mains. Voilà l'équipe d'Alba. Ah, c'est intriguant, cet univers. Je contrôle rien. Je ne contrôle strictement... Ah. Oh. Mais il me faut une antitoxine pour créer un antidote permanent. Un des postes de recherche d'Harry développait une atropine synthétique. Je dois vite me rendre là-bas. D'accord. What? Que de scorpions géantes. Manquez plus que ça. Merci, cerveau. Raté. Scorpion? Comment t'as eu ce numéro? Toujours les questions les moins pertinentes. J'avoue, c'est dans ta tête, hein. Ce n'est pas comment je t'appelle, c'est le fait que je t'appelle. C'est peut-être les cris enfiévrés de ton cerveau agonisant. Raté. Dès que je vais mieux, je m'occupe de toi, Mac. Il m'a pas agressé. Ok. On y est. Ah. Ah, je douille. Encore un petit rêve. Ouais, je m'en doutais. L'atropine a disparu. Je crois que c'est... Quand il dit « It's you, your secret safe ». Je crois que c'est Otto quand il... Quand il a découvert que je faisais... Que j'étais le costumier de Spider-Man, bien sûr. Hein, bien sûr, n'est-ce pas? Le costumier. Otto? C'est trop tard. Comme il était trop tard pour m'aider. Ce n'est pas vous, Doc! Ah, mais si, c'est moi! Le moi qui dérangeait particulièrement notre bonne société. La partie de moi que je réprimais. Mais tu m'as aidé à briser mes chaînes. Qu'est-ce que tu me dis à chaque fois? Ah oui, d'accord. Je trouverai un moyen de vous aider, je vous le promets! Arrête de te voiler la face! Tu n'aides jamais personne! Le poison n'est pas en toi. Tu es oh, les le poison. Tout ce que tu touches souffre. Ouais, non, ça c'est bien ma tête. Hein. Arrêtez de fuir. Laissez-moi essayer. Je ne veux pas de ton aide. C'est dans ma tête. Dans la vie, en amour, au travail, tu n'apportes rien de bon. Non, arrêtez. Je vous laisserai pas tomber. Je vous en prie, parlez-moi! Je peux vous aider! Alors tu veux me traiter comme tous les autres? En me réprimant, en m'étouffant? Non. Tout comme mon génie, je vais éclater à la face du monde. Ouais, ça ressemble à une arène, pardon. La voilà. L'atropine!
Ça ressemble à une arène. Ouais. Ah non, même pas. En fait, qu'on va atterrir dans une arène. Plutôt. Intéressant, hein. intéressant cette introspection dans les cauchemars de Peter. J'ai plus qu'à synthétiser l'antidote. Il faut que je retourne au labo. Toujours avec nous. Presque guéri. Désolé de rendre des plans. Oh, t'inquiète pas, t'inquiète. Elle m'attaque pas. Combien ? Oula ! Prends presque, essaie de me tuer ! Quel bon cœur ! C'est tendu, hein ? Ok, on y est ! Miraculeusement. J'ai plus beaucoup de temps. Tu m'étonnes. Il faut que je crée l'antidote. Pourquoi tu y vas comme ça, comme si de rien n'était ? Oh ! Bouge toi le fion ! Enfin. Oh, c'est dommage. On va encore plonger dedans. Allez ! Je peux rien faire. Hein. J'essaye, hein, mais... Ça devait être un écran de chargement. Tu essaies de me voler mon génie. Tout ce qui arrive maintenant est de ta. Je savais que tu riais de moi, tout comme les autres. Tu croyais débarrasser de moi, Scorpion. Oh, d'accord. Tu es réel. Bouge pas, je vais te montrer. Ah, d'accord. J'ai pas de toile électrique, c'est dommage. Crée une ouverture. Hop les, bouffe. Une hallucination. Oh. Au moins je l'ai pas imaginé trop fort. Au moins je l'ai pas imaginé trop fort. Elle est bien cette phrase. Allez, reviens, j'imagine. Ça non, sera pas aussi facile. Bien sûr que si. Non, je sais que t'es le poisson qui essaie de me distraire. Je t'attends. Donne-moi. Ah d'accord, je suis tout le temps en mode... Bien raté. Tu seras jamais bon à rien. Je dois pas me laisser. J'ai eu. Tout le temps en mode... Faut que je fasse attention à ce que je fais. Cool. Que quelques-uns. Le monde se porterait bien mieux sans ah, toi. D'accord. Ah mais non, mais c'est pas lui. D'accord, ok. C'est intéressant parce que vous voyez, je suis toujours en mode... Et du coup, je peux tricher. Ouh, bien tenté. Bouf. Allez. À la place de ton oncle, moi aussi je me serais jeté sur cette balle. Oh, ça c'est méchant. J'espère que c'est le dernier. Je tiens à peine debout. Voilà les j'en vois plus. Qu'il me faut. Ça, c'était très méchant ce qu'on a entendu hein, quand même. Hein. C'est beau à voir ça par contre. Enfin, j'ai presque réussi. Je crois que j'ai réussi. Wouh, nice. Qu'est-ce que tu fous en... Où est passée ma tenue? Je crois que j'ai un peu forcé sur la décontamination. Je ferais mieux de me mettre quelque chose sur le dos. Non, c'est très bien comme ça. Bon, on va dire que rien de tout ça n'est arrivé. Et tu le dis. Très bien, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe dehors, du coup? Ah, j'ai encore l'esprit embrouillé. Il faut que je finisse d'évacuer le poisson de l'organisme avant de m'attaquer aux autres villas. C'est le moment idéal pour une petite patrouille. Ah, y'a plus rien à patrouiller, mon ami. Désolé. Équipement capacité, c'est à fond, hein. Donc là, il n'y a plus rien à patrouiller du tout. Hein. Bon. Et le jeu n'est toujours pas fini. Incroyable. On va faire une sauvegarde, juste pour voir où est-ce qu'on en est, parce que... Ça me surprend. Wouhou!
Ah bah on sait pas. Très bien. Ok. Très bien. Et sinon ? Faut que je fasse quoi ? Salut MJ. Ah ça y est. Est-ce que je peux te poser une question d'éthique épineuse ? Est-ce que tu penses qu'on peut tourner le dos à un de ses amis ? Oh wow, Pete. Tu penses à Otto ? C'est si évident que ça. Ouais, je te comprends. Eh ben, mon côté noble et généreux me souffle jamais. Quand on est un véritable ami, on est là pour l'autre, même s'il s'égare. Mais après ce que toi as fait, je sais pas, Pete. Je crois qu'il faut que tu décides si l'Otto Octavius que tu connaissais existe encore. Ou même s'il a vraiment existé. Ouais. Ouais. Merci, MJ. Je crois que... faut que j'y réfléchisse. Appelle-moi quand tu veux, Pete. Je suis là pour toi. D'accord. Mmh. Toujours pas de quête, hein. Ah, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Hop là. Hop là. C'est pour ça que vous étiez ronchon. Vous aviez besoin d'une sieste. Profitez-en. Bon. Ok, vaincre un groupe d'ennemis empêchera suffit de revenir. Et... mais je vous ai pas compris, y'a quelqu'un en vous. Oh la vache, ça me rajeunit pas. Il con. C'est bien d'avoir. Ok, ça s'est fait aussi. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième appel? Non, pas de deuxième appel. C'est nul. Bouh. Encore tabasser des gens, c'est pas grave. Super nouvelle. Pour votre dixième défaite, la raclée est ouverte. Pourquoi je peux pas... là, voilà, ça y est. Là, je peux. Vous êtes tous armés jusqu'aux dents? Très bien. Ça va me faciliter les choses. Hein. Raté. Bon, bah... merci de bien rester collé au mur le temps du voyage. Bon, faut vraiment que je m'occupe de Scorpion, mais j'ai pas revu Tante May depuis l'incendie. Mm-hmm. Je pense que je peux me permettre une petite halte au fist. Ok, bon bah très bien. Bah écoutez les amis, on va se laisser là après cette information capitale. Je vais essayer d'enregistrer encore un autre épisode, on verra combien de temps ça va faire à monter tout ça, mais ça va sans doute prendre des plombes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans l'apéro, à plus pour d'autres aventures. Je rappelle qu'il y aura les DLC aussi à faire, donc on n'est pas rendu, hein. Et pourtant, on a déjà bien entamé la semaine de Kingdom Hearts. Donc bon, ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Malheureusement, j'y peux rien. Je prends beaucoup d'avance, là. J'ai même pas encore joué à Kingdom Hearts une seule fois. Hein. Le jeu n'est pas encore sorti, même à l'heure où je vous parle. Mais à l'heure où vous voyez cette vidéo, il est sorti depuis à peu près une semaine, je dirais. Hein, bellement. Donc voilà. Salut les gens, et yop !